chers frères et sœurs syriens, les jours passent, le sang continue de couler. Les morts ne se comptent plus, le patrimoine national subit des destructions massives. Les enfants, les jeunes, les vieillards, bref, toute personne des conditions sociales différentes sont continuellement en errance et en larmes. Frères et sœurs syriens, jusqu'à quand continuerez-vous avec cette guerre fratricide? Pourquoi cette incompréhension persistante entre vous? Non, frères et sœurs syriens, j'élève ma voix pour vous dire que la solution à vos problèmes ne réside pas dans les langages des armes. J'en appelle alors à votre conscience collective pour que soit privilégié l'intérêt supérieur de la nation. Voilà pourquoi, de mon point de vue, le dialogue paraît l'unique voie crédible de sortie de cette crise. Aussi conscient des dégâts, des préjudices causés à toute nation en guerre, toute initiative susceptible de ramener rapidement et durablement la paix dans votre chère patrie reçoit mon entière adhésion. J'exhorte les peuples du monde en général et ceux de l'Afrique en particulier à avoir une pensée pieuse et à prier sans cesse pour que s'arrêtent en Syrie ces bombardements aveugles. Oui, frères et sœurs syriens, toute guerre, s'il faut interroger l'histoire, se termine toujours autour d'une table, à l'instar de l'arbre à palabre en Afrique. C'est pourquoi je souhaiterais vivement et encouragerais qu'un dialogue entre frères et sœurs syriens puisse avoir lieu le plus tôt que possible, de préférence dans un pays neutre. Le dialogue, rien que le dialogue pour le retour de la paix en Syrie, gage de tout développement. Le dialogue, rien que le dialogue pour la réconciliation, le pardon mutuel dans l'amour réciproque. Le dialogue, rien que le dialogue pour la consolidation de l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Ainsi, j'exhorte mes frères syriens à s'impliquer dans le dialogue afin que soit garantie une paix durable pour le bien-être de tous.